بونجور تو المون دونك اعزائي التلاميذ مرحبا بكم مجددا لتسجيل دروس علم الحياه الارض لمستوى دوزيام اني باكالوريا بي سي ثانيه فيزيائيه دونك كنا شفنا بروميير كا ديال الدومينونس توتال داكور ولا الدومينونس كومبليت دونك في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا دوزيام كا اللي كاينه في المونو هيبريديزم ولا دوزيام كا دو مونو هيبريديزم ولا الهجوم الاحاديه هي لا كودومينونس ولا باللغه العربيه تساوي السياده من في هذه الوكاله هذه غادي نحاولوا نخدموا على واحد البلونت ولا كا ديال واحد البلونت اللي كتكون فيها لا ديفيرسيتي او نيفو ديال لا كولور غادي نحاولوا نخدموا على الفينوتيب ديال لا كولور ديال نبات لابيل دونوي ولا شاب ليل دونك هاد النبات فيه واحد لا ديفيرسيتي ديال الكولور بعض المرات كنلقاوها كنلقاو دي فلور اللي هما اون بلونش لي فلور نوار لي فلور روز سي هنايا لو ديال, ديال, ديال كودومينونس نبينوها بهاد الحاله ديال نبات لا دو دونك هذا كاين سكون ابيل واحد ليكزيرسيس دونك فيه 4 كيسيون دونك ا بارتير ديال لا ريبونس على هاد لي كيسيون هادي غادي نحاولوا نفهموا سي كوا لا كودومينونس ولا شنو هو التساوي السياده عند الكائنات الحيه اونيفو ديال لا ترانسميسيون ديال سول كاركتير مونويكيتيزم دونك لابيل دي نوي اون بلون تاع فلور ووج دونك هنايا هاد النبات ديال شاب الليل دونك عنده دي فلور ديال لا كولور ووج كيما تلاحظوا هنايا في هاد ليماج هادي غوز و بلونج يعني ممكن بلونج باردون ممكن اننا نلقاو دي فلور اللي هما باللون الابيض اللون الاحمر ميم اوسي ممكن نلقاو دي فلور باللون الوردي ولا دي فلور Euh, le croisement d'une souche à fleurs rouges avec une souche à fleurs blanches, donc on a un équivalent croisement, dit elle on rouge, dit elle ou dit elle rouge, dit elle les plantes, ou la, la bille de nuit, a de rouge, -à la, la il y a la couleur rouge, c'est-à-dire la couleur finale, la couleur rouge, et d'autres souches, elle a la couleur blanche, en israoul je n'en ai rien, les plantes, diel la bille de nuit, elle la couleur dit rouge, rouge, ou la couleur de la blanche. Alors, vous avez ce qu'on appelle le phénotype lourd, c'est la fleur qui a la couleur rouge. Et le deuxième phénotype, c'est une souche de à couleur blanche. D'accord Vous avez le croisement de monohybridisme qui la couleur entre les plantes. Donc, ce qui est le ce qu'on appelle toujours la génération F1. On va atteindre F1 qui est des plantes à roses rose. Et là, il y a une génération qui euh des fleurs ou des fleurs de la plante les humains roses d'accord donc vous avez le père loup c'est à dire P1 P2 c'est à dire un croisement des fleurs d'accord roses et des fleurs les humains blanches qui dans la génération F1 on la génération F1 qui est la génération 100% des fleurs qui Rose. Donc la question numéro 1, que pourtant déduire, il y a une question qui Donc faites attention à ce nous avons l'homogénéité de la génération F1. Il y a une tézaouj de la F1. Donc nous avons automatiquement 100% des fleurs roses, même la couleur intermédiaire qui est de la couleur rouge, de la couleur blanche, qui est de Génération F1 homogène, alors la vérification de la première loi de Mendel, c'est ce D'accord, donc on a la vérification de la première loi de Mendel. Et une fois qu'on a la vérification de la première loi de Mendel, on a dit que les parents, les fleurs, les plantes sont des races pures. Les parents sont des races pures. Les parents sont des races pures. Les parents sont des races pures

Jouge, dièle, souche et homozygote d'oras pure. D'autre choses les gens qui ont été en train de croisement, c'est que l'apparition de quoi La génération F1, l'apparition de dièle, où phénotype jdida. JDIDA Le phénotype JDIDA, est intermédiaire, mais le phénotype rouge, et le phénotype blanc intermédiaire, c'est-à-dire Jaïa, où le phénotype rouge et le phénotype blanche, qui est le phénotype rose. Ici bah, le شيء différentes ديفرونط مع le croisement dial première cas dominance totale la dominance complète la génération F1 un phénotype qui katchbeh wahed men les parents il a par exemple les petits pois les sont verts les petits pois les sont jaunes on a donné 100% jaune donc هنايا كنقولوا si 100% jaune c'est-à-dire qu'ils chavent automatiquement الفينوتيب جون مي هنايا لقينا واحد لو... واحد لا كولور يعني واحد اللون اللي هو انترميديير ما بين اللون الاحمر اللي هو اللون غوج واللون الابيض اللي هو بلونج في لوكا هادي كنقول فوزافي زافي سكون ابيل لا كو دومينونس تساوي السياده شنو كنعني بالتساوي السياده ان بجوج بهم واحد ما, كي... ما كيكونش سائد على الاخر داكور دونك ما يمكنش اننا نقولوا دومينون ريسيف دونك بجوج بهم كيكونوا دومينون دومينون ستادير كيكونوا كيكونوا فلا دومينونس دم... كيكونوا ايغال سي تادير كيتلاقاو ولا كيتساووا في السياده سي بور سا كنقولوا لا كو دومينونس ميم اوسي ممكن اننا نهضروا على لا كولور يعني نهضروا على لوكا كا ديال واحد لا كولور انترميديير ما بين جوج ديال لي سوش ميم بالنسبه لا فورم ممكن انني ندير الكروازمون ديال جوج ديال لي بلونت اللي عندهم دي فلور وحده عندها دي فلور اللي هما باغ اكزومبل اون سيركل

et B ou le petit B pour l'alil blanc. Il y, a, il y a des symboles, des qui n'ont pas ce qu'on appelle l'interprétation chromosome. Donner les, euh, les, les génotypes et les phénotypes, liels, les parents et les descendants F1. Il y a deux qu'on appelle le génotype, le phénotype, les parents, c'est-à-dire les fleurs rouges, les fleurs blanches, et même aussi, il y a deux qu'on appelle le, le génotype et le phénotype, liels, les descendants F1 ou la génération. اول حاجه هنايا يعني دونك قلنا عندنا سكون ابيل لا كو دومينونس عندنا سكون ابيل التساوي ديال السياده اوتوماتيكمون ما يمكنش انني نختار سكون ابيل واحد الـ واحد, واحد دومينان. ريسيسيف وواحد دومينون سي فوز افي ريسيسيف دومينون دونك غادي يعطينا هنايا يعني سكون ابيل في الجينيراسيون اف ان غادي يعطينا واحد لا كولور اللي كيشبه لي بارون غادي يعطينا خديت انا نديرو لي زيبوتيز مثلا خديت R en majuscule dans le rouge ou petit B la couleur blanche donc la génération F1 va hybride c'est-à-dire hétérozygote ou des être R autant que je l'ai dit donc va la dominance de R ou toujours la génération F1 va être 100% de la couleur rouge d'accord donc bien sûr, dans le cas-là, nous allons juger parmi eux en majuscule, c'est-à-dire le phénotype dial de des fleurs rouges, c'est grand R, et le phénotype dial de des fleurs blanches, grand B, d'accord, grand B. En tant que homozygote raspir, nous allons donc juger parmi eux les allèles lesquels la lettre en majuscule, grand R, grand R, et grand B, grand B. Donc, on va essayer la réponse de la question numéro 1. Donc, le croisement produit une génération F1. On a une génération F1 homogène, 100% rose. Ce sont des plantes qui ont des fleurs roses, verifiées par la première loi de mendel Donc, on peut dire que la loi de mendel est en La soche a fleurs rouges. Et la souche fleur blanche blanches et donc du race pure, donc un de ras pure, c'est-à-dire homozygote. Et un apparaît un nouveau caractère intermédiaire, une caractère, une tain, tain, donc le caractère est un sifa jadid, mais il y a un sifatain et un donc la couleur rouge et la couleur blanche. On parle dans ce cas-là que la dominance des deux allèles étudiées, c'est-à-dire le juge de l'al-hulay. C'est l'interprétation chromosomique, donc il

Grand B, grand R, donc nous on dit la couleur rose. D'accord C'est la couleur rose. Une belle question numéro 3, c'est-à-dire à partir de l'échiquier qui est le croisement, c'est-à-dire on avons dit le croisement de quoi croisement de F1, F1, c'est-à-dire autofécondation. Quel sera le résultat de ce croisement Nous on dit le croisement de F1, F1, nous avons dit le croisement de F1, F1, nous avons dit le croisement de F1, n'a que ce qu'on appelle le génotype d'HLF1, donc le génotype d'HLF1 c'est euh, grand R grand B et le phénotype c'est B R toujours l'interprétation chromosomique où automatiquement vous avez ce qu'on appelle race hybride hybride à déterminer à déterminer juge d'HL les principalement chaque chaque souche d'accord alors vous avez l'interprétation chromosomique de 1 F1 donc toujours vous avez F1 la souche lola et F1 c'est-à-dire autofécondation في toujours un R B R B en tant qu'humain hybride c'est-à-dire juge ديال les allèles différents هنايا غادي يعطيني شنو غادي juge jوج ديال chaque race par exemple 50% R خمسين في ديال كغون بي توجور خمسين في المية ولا ان 2 دو ديال كغون تيغ اي ان 2 ديال, تير, 2 ديال بي فوا كيكون عندي سوبيريور ا دو ديال جامت, ما كان عندي من جوج ديال لي كندير ديال ديال, ديال, ديال في هذه الحالة كنحطها سو فورم ديال واحد كندير

et radiatine toujours grand B grand R radiatine le BR vous avez ce qu'on appelle le, le BR 1 sur 4 en tout coup on a ce sont des races hybrides grand R grand B vous avez ce qu'on appelle race hybride grand R grand B et le phénotype c'est BR c'est de la couleur rose euh, grand B grand B radiatine on a homozygote radiatine 2. Grand B de phénotype Grand B, c'est-à-dire de phénotype blanc. Vous avez la calcul d'ailleurs les pourcentages. Donc, donc le cas, le cas dit vous avez 50% de Grand B Grand B Grand R, c'est-à-dire 50% de la couleur rose et, 50, euh, et 25% pardon la couleur euh, B. Et 25% dial la couleur rouge, c'est-à-dire a les descendants dial de la génération, la génération F2. Vous avez ce qu'on appelle la génération hétérogène. Pourquoi hétérogène Parce que vous avez des différentes couleurs la couleur rouge, la couleur b et la couleur rose. D'accord donc pour la question numéro 4, donc qu'est-ce sera le résultat du croisement d'une plante à fleurs roses On va essayer d'acheter une plante qui a la couleur rose et le génotype, bien sûr, de la couleur rose, c'est B, et grand R, avec une plante à fleurs blanches. On va essayer d'acheter entre une plante qui a des fleurs roses et une plante qui a des fleurs blanches, d'accord Les fleurs blanches, donc dans ce cas-ci, si homozygote homozygote de pure. et un hybride qui est sur des fleurs roses On a un grand b un grand r a toujours naya dire parce qu'on a trois de délégramètres donc le résultat de dit donc vous avez deux parents c'est à dire rouge les fleurs et fleurs roses et des fleurs blanches Les fleurs roses a toujours ces deux races hybrides علاش لان كاين جوج ديال لي زالي مختلفين فلي جوين فلي جوينو غون ار غون بي اي فوزافي واحد لو غاسبيغ واحد الفلور اللي عندها لو غاسبيغ اوموزيغوت غون بي غون بي توجور هنا في هذه الحاله قلت لكم اون فوا كتشوفوا الايبريد هنايا كندير جوج ديال لي جاميت الجاميت الاولى غون ار الجاميت الثانيه غون بي اي هنايا هنا عندنا جوج ديال لي عندها جينوتيب تيب اوموزيغوت متشابهين كنحط 1 B, on va obtenir gamètes uniques. Le fichier qui est a le croisement, vous avez ce qu'on appelle grand, euh, 1 sur 2 grand R, 1 sur 2 grand B, et toujours, il y a, euh, a gamète grand B, de la fleur blanche, on 50 50%, on 50% de la fleur rose, et 50% de la fleur blanche. D'accord après, après toujours la fécondation d'iel, elle y a -il, la, la, la fécondation au euh, irsab, mais juge elle donc euh, juge elle les gamètes euh, d'iel deux deux de parents. Donc vous avez euh, après la fécondation vous avez 50% d'iel les fleurs roses euh, grand B grand R et 50% elle les fleurs blanches grand B. Donc à d'iel l'interprétation كروموسوميك ديال هاد الكروزمو.